Recruté cet été par BFM TV après deux décennies passées sur France Télévisions, Laurent Ruquier fera sa rentrée en décalé sur la chaîne Info à la tête de la nouvelle émission Le 20h de Ruquier. La chaîne a enfin communiqué ce lundi sur la date de lancement. Si est-il une des sensations du mercato télé de la rentrée. Après 23 années passées sur France 2, Laurent Ruquier a pris la décision en fin de saison de quitter le service public. Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV, avec qui il est ami, lui a proposé cet été de rejoindre la chaîne Info en continu. Un nouveau challenge pour l'animateur attendu du lundi au jeudi entre 20h et 21h pour prendre les commandes du 20h de Ruquier avec Julie Hamot, elle-même en provenance de LCI. Mais si les différents visages du canal 15 ont fait leur rentrée dès le 28 août dernier, le mystère planait encore sur la date d'arrivée de l'animateur des grosses têtes. À quelle date arrivera l'émission de Laurent Ruquier sur BFM TV et quel est le concept? Marc-Olivier Fogiel a levé le suspense ce lundi dans un tweet en annonçant que le premier numéro du 20h de Ruquier sera diffusé le lundi 25 septembre sur BFM TV. Dans cette tranche d'une heure, Laurent Ruquier reviendra sur les trois grands sujets du jour et s'autorisera un petit pas de côté sur un sujet qui aura fait moins de bruit, comme il l'a confié dans une interview à paraître prochainement dans Télé Loisirs. Autour de Laurent Ruquier et de Julie Hamot, des débatteurs seront présents, mais rien n'a encore filtré sur leur identité. J'ai envie qu'on les découvre au fur et à mesure de la première semaine. Il y a des visages que les téléspectateurs connaissent peut-être déjà et d'autres qu'ils ne connaissent pas du tout. Ce sera un mélange, nous a expliqué l'animateur, qui fera partie de la nouvelle bande de Laurent Ruquier sur BFM TV. Sa nouvelle bande sera composée d'une dizaine de personnes, qui se relaieront en fonction des jours. Ce que je veux, c'est qu'ils soient brillants, qu'ils aient des choses à dire, poursuit Laurent Ruquier. Sur BFM TV, dans sa nouvelle tranche, Laurent Ruquier sera en concurrence frontale avec Pascal Pro sur Knou. Mais comme Marc-Olivier Fogiel l'a récemment affirmé dans un entretien accordé au Point, l'idée n'est pas d'aller concurrencer Pascal Pro sur Knou. Ce n'est pas un match Ruquier Pro, et de préciser que le nouveau visage de BFM TV ne fera pas d'infotainment ni d'émission militante, mais de l'info, du débat tout court. Laurent Ruquier apportera son ton. Ce sera irrévérencieux et anticonformiste.